Excusez-moi. Oui. Paris. Quoi? Paris. Oui. Paris. C'est par où? C'est ici. Paris. C'est ici. Mais le centre-ville. Marche tout droit, t'inquiète, tu vas trouver. Ouais. Merci. Marche tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, ouais. Merci. Vous devriez travailler à l'office du tourisme. Ouais, je sais. Merci beaucoup. Suivez cette voiture. Suivez cette voiture. Laquelle? Celle devant. Celle-là? Oui. On y va. Suivez-la. Qu'est-ce que t'as pris de faire du stand-up de rue? Les théâtres fermés, je me suis retrouvé chez moi seul, j'avais envie de faire du bien aux gens. Et puis de continuer à vivre mon art. Est-ce que si je monte un restaurant clandestin et que j'emploie que des clandestins, ça s'annule? Moi je pense que la SNCF, elle devrait construire des gares plus près des trains en retard. Vous vous souvenez des attestations du premier confinement? Les attestations, elles étaient en... C'était un délire. Je sous-signais moi-même, m'autorisant moi-même à sortir de moi-même. Eh frère, t'as plus de... L'avantage quand tu fais des bides, c'est que tu peux faire un montage. La rue, c'est mon théâtre. Les théâtres fermés, les opéras fermés, les lieux culturels fermés, ça veut pas dire que les artistes ont disparu, ils existent aussi dans la rue. C'est la même chose pour les spectateurs, les spectatrices, ils existent aussi, ils sont dans la rue. En fait, tu vas à leur rencontre, d'habitude c'est eux qui viennent à ta rencontre. Exactement. Ça, c'est ton ego qui en a pris un coup avec le confinement. C'est la mégalomanie, oui, c'est certain. On se croyait tellement habitué à avoir un public qu'une fois qu'on nous l'a enlevé, ben, on se rend compte que... Mais il nous manque terriblement. Moi, il me manque terriblement, le public. L'attente dans les loges, les découpages de tickets, des places de spectacle, entendre des conversations du genre « Putain, j'espère que ça va commencer, la babysitter va pas nous attendre. » Toute cette réalité-là, quoi. Là, on a fait Montmartre, boulevard de Strasbourg, Châtelet. De la rue, madame. De la rue, de la vie. Du monde qui nous entoure, parce que je pense que c'est aussi ça, être un stand-upper ou être un... C'est être un observateur de son époque, de son temps. On trouvait ça intéressant le fait qu'une colonne Maurice, généralement, c'est censé être informé de ce qui se passe culturellement. Et là, voilà, c'est assez révélateur de ce qui se passe culturellement aujourd'hui. On a écrit sur une pancarte... Free insult, insultez-moi, c'est gratuit. Comme les free eggs, mais les free insults. Voilà, c'est ça. Je veux pas t'insulter quand même. Un check si tu veux, mais pas d'insulter. L'impro, c'est, je dirais, 10%, c'est en fonction de l'énergie de la rue, de comment les gens sont disposés, ce qu'ils ont envie de se prêter au jeu sur le moment. On vit dans un... système de consommation qui est Netflix and chill, on se pose chez soi, on mange des tucs et on mange des tucs et on regarde des documentaires sur la galaxie. Je trouve ça triste, quoi. Donc le but, c'est quand même d'aller à la rencontre des gens aussi pour ça. Mais je suis pas dupe, hein, je vis avec mon époque, je sais aussi que le futur ça va être aussi ça va être le théâtre digitalisé, il va falloir se réinventer, repenser les choses.